Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Bon début de semaine à tout le monde, que Dieu bénisse et qu'il vous protège, ainsi que votre famille, vos enfants. Franchement, c'est nécessaire, franchement, c'est terrible ce que nous venons de voir au Japon. Un typhon terrifiant a frappé l'archipel. Ce typhon s'appelle Agibis, qui a fait au moins 26 morts. Il y a une mise à jour qui nous dit que c'est monté jusqu'à au moins 35 morts et plusieurs disparus. Franchement, ce qui s'est passé là-bas est hors du commun. Comme vous le voyez à l'écran, voici les images de ce qui s'est produit là-bas. Vraiment, c'est terrible. Tout était inondé, toutes les maisons étaient fréquemment inondées. Et les gens essaient de se sauver la peau. Franchement, c'est terrible. Et même le ciel, regardez comment le ciel était. Regardez la couleur du ciel ce jour-là. Vraiment, c'est terrible. Et nous avons envie de vous montrer les images de ce ciel hors du commun. Franchement, ce que nous allons trouver, ce que nous allons voir ici, c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Franchement, la vie n'a pas de prix. Si vous êtes en vie, dites même Dieu merci. On ne sait jamais. Maintenant, regardez ça. Voici ce qui s'est passé du 12 au 13 octobre. Il y a eu un vent violent qui a frappé l'archipel. On nous parle des tremblements de terre. En même temps, l'eau est venue. La pluie, franchement, il y avait tout pour nous trouver dans un monde apocalyptique. Tout était là. Et les sauveteurs sont en train de tout mettre en œuvre ces temps-ci pour pouvoir sauver ce qui reste. Voici ce qui s'est passé. Les gens essaient de se mettre à l'abri parce que ce qui vient de se passer vraiment est terrible. L'eau est montée d'un cran. Franchement, regardez ce qui s'est passé réellement. Ça, ce sont les images de ce typhon qui a frappé l'archipel. Franchement, ça, vraiment, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Et le plus inquiétant, c'est ça, le ciel. Le ciel a eu cette couleur. Et tout. Les Japonais ont partagé les images de ce ciel, bon, de la couleur de ce ciel, hors du commun sur les réseaux sociaux comme Twitter et autres. Et nous avons juste capturé toutes ces images pour vous les montrer comme ça, pour que vous puissiez comprendre vraiment qu'il y a vraiment des trucs vraiment terribles. Les gens se posent encore des questions de savoir, mais est-ce que c'est la fin du monde qui s'annonce? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce la colère de Dieu? Vraiment, tout est mélangé, on ne comprend même plus rien. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Regardez la couleur du ciel. C'est quelle couleur ça? Je ne saurais vous le définir. C'est vraiment terrible. Regardez ça. Regardez la couleur du ciel. Ah! Ça, vraiment, c'est quand même impressionnant. Quand vous regardez même ici l'avion, regardez les ailes de l'avion, vous voyez la même couleur du ciel rejaillir, c'est-à-dire la lumière de la couleur là même, ça rejaillit sur les ailes de l'avion et ça donne la même couleur, ça tissu de violet, Waouh, regardez ça. Depuis que Dieu a-t-il créé le ciel violet? Bon, franchement, c'est bizarre. Les gens ne parlent pas des changements climatiques, regardez même ici. C'est vraiment inquiétant. C'est vraiment impressionnant. Pour moi, c'est vraiment impressionnant. Moi, je n'ai jamais vu un truc pareil. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Les gens ont pris en photo et les ont postés sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous les montrer pour que vous puissiez les voir juste en images. Vraiment, les images de cette affaire sont hors du commun. On nous dit que c'est l'un des typhons les plus puissants qui a pu frapper l'archipel depuis des siècles. Waouh! Regardez ça. C'est vraiment, vraiment ça. Toutes ces choses que nous voyons à l'écran nous poussent à avoir la crainte de Dieu et à vraiment apprécier la vie qu'on a. Parce que la vie même qu'on a, s'il vous plaît, ce n'est pas une habitude, c'est que la grâce de Dieu. Tous ceux qui sont réveillés ce matin, dites Dieu merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes même en vie. Merci Dieu, quoi. Merci à Dieu. Regardez,
Vraiment, vraiment, regardez ce qui s'est passé. C'est vraiment terrifiant. Dites-nous ce que vous en pensez. Franchement, regardez ça, c'est un pont, hein, c'est un pont que vous voyez là. Le pont est carrément cassé. On a parlé de glissement de terrain. Ah! Cette pluie là-haut, le typhon là, tout était vraiment mélangé. Regardez ça. Toutes ces maisons se sont effondrées sous nos yeux. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Regardez cette image, me fait tellement mal. Regardez même ça. On voit carrément toute une maison immergée. C'est-à-dire remplie d'eau. Regardez, regardez la taille, ce que ça fait. Toute la maison, regardez, on ne voit même plus les autres maisons qui étaient autour. C'est que de l'eau. Et les gens se trouvaient dans leur voiture, ces gens-là ont été inondés. D'autres se trouvaient dans leur maison a carrément tombé dans, c'est-à-dire le glissement de terrain a emporté leur maison ainsi que les habitants. Franchement, c'est vraiment terrible. Regardez même ça. Une maison fantôme. Bon, cette maison est transformée en une maison fantôme. Ça, c'est vraiment terrible. Voici ce qui s'est passé. Voici ce que vous allez manquer. Nous avons envie de vous montrer ça, juste pour vous amener à comprendre ce qui se passe là-bas. Prions pour le Japon et pour toutes ces personnes qui sont touchées par ce phénomène. Merci d'avoir regardé cette vidéo, que Dieu bénisse. Partagez-la au maximum et dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez le plus marqué ici? Réagissez, j'aimerais vraiment bien savoir ce que vous en pensez. Moi, vraiment, quand je vois ça, je lis Somme, plutôt Job 14, verset 1, où Job dit: l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Ces gens-là vivaient tranquillement chez eux, sans savoir qu'un truc pareil allait les frapper. C'est comme quelqu'un qui vient d'avoir un accident. Il ne s'y attendait même pas, mais ça a quand même frappé. Prions pour le pays, prions pour notre pays. Aucune catastrophe, et que Dieu nous épargne des catastrophes naturelles. Ce n'est pas de la blague, mes frères et sœurs, c'est bien réel. Ceux qui ne sont pas dans cette situation peuvent pleurer, pleurer, mais aussi prier pour toutes ces personnes qui sont prises au piège par un typhon sans précédent, catastrophe naturelle au Japon. Ça a eu lieu juste hier, le 13, on peut dire du 12 au 13, ça fait maintenant 2 jours que c'est passé. Moi, j'ignorais ces informations. Quand je les ai découvertes, je n'ai pas manqué de faire une vidéo hier pour vous en parler. Vraiment, c'est terrible ça. C'est vraiment terrible. Que Dieu nous donne longue vie, la santé, sa protection, la joie à tous les niveaux. Mais pas seulement ça, nous avons aussi besoin de sa paix. La vie d'un homme, c'est vraiment dur et difficile, sans cesse agité. Dites-vous ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, que je vois ça, ça me fait tellement mal. Je n'avais plus même de mots à dire. Prenez soin de vous. Et pourquoi vous permettez de nous dire, nous venons de vous réveiller. C'est parti.